Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus pour assister à cette conférence donc de l'Alliance au conflit, la France et les États-Unis à la fin du XVIIIe siècle. Du premier moment où j'ai entendu prononcer le nom de l'Amérique, je l'ai aimé. Dès l'instant où j'ai su qu'elle combattait pour la liberté, j'ai brûlé de verser mon sang pour elle. Ces mots sont ceux du marquis de Lafayette pour expliquer son engagement auprès des insurgents américains à partir de 1777. En effet, le 8 octobre 1780, les troupes de Washington, de Lafayette et de Rochambeau, assistées par la flotte de l'amiral de Grasse, remportaient sur les Anglais la victoire décisive de Yorktown qui mettait un terme à la guerre. 140 ans plus tard, le 4 juillet 1917, alors qu'il visitait le cimetière Picpus à Paris, le colonel Stanton, au nom du général Pershing, qui était le commandant en chef des troupes américaines en Europe, s'était écrié « Lafayette, nous voilà ». La conviction profonde de l'amitié franco-américaine est résumée par ces deux événements. Et cette conviction perdure jusqu'à aujourd'hui, puisqu'en 2018, le président Macron célébrait au Congrès le miracle, je cite, de la relation entre la France et les États-Unis. Mais en réalité, les choses ne sont pas si simples, car derrière les paroles convenues se cache une autre réalité, qui a éclaté en plein jour en 2003, lorsque Dominique de Villepin, dans la salle de l'ONU, prononce un discours, donc le 14 février, resté célèbre, par lequel la France refuse de se joindre à la coalition menée par les États-Unis pour attaquer l'Irak. Au moment de sa conclusion, le ministre français fait référence à cette relation franco-américaine lorsqu'il dit que la France n'oublie pas et sait tout ce qu'elle doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs. Le refus de la France de s'engager dans la guerre en Irak génère une crise entre la France et les États-Unis dont la profondeur peut être illustrée par la publication d'ouvrages franchement hostiles à la France publiés dans ces années-là. Vous voyez, notre ennemi le plus ancien est la guerre de la France contre l'Amérique. En fait, dans ces ouvrages, les auteurs de ces ouvrages sont rattachés au courant néoconservateur américain et ils voient dans l'opposition française aux États-Unis la manifestation d'une hostilité latente dont l'origine se trouverait précisément au XVIIIe siècle. En réalité, pour ces pourfendeurs de la France, eh bien, la France ne supporte pas le leadership américain qui, en quelque sorte, fait de l'ombre au rayonnement de la France. Alors, bien sûr, il faut remonter dans le temps pour comprendre cela et paradoxalement, aux dernières décennies du XVIIIe siècle, parce que, précisément, pendant ces dernières décennies du XVIIIe siècle, il y a eu à la fois l'alliance victorieuse de la France avec les États-Unis, et d'autre part, eh bien, une grande période de tension, puisque, à aucun autre moment dans l'histoire des relations franco-américaines, les deux pays n'ont été aussi proches de se faire la guerre. Et en effet, dans les dernières années, dans toutes les dernières années du XVIIIe siècle, à partir de 1796, 97, 98, 99 et 1800, eh bien, il y eut des combats entre navires français et navires américains, il y eut des morts, il y eut des blessés, il y eut des prisonniers. Comment en est-on arrivé là? Quelques années simplement après l'alliance franco-américaine et la victoire contre l'Angleterre, quel rôle cet épisode méconnu en France a-t-il joué dans l'histoire de la jeune République américaine? Et que nous apprend ce conflit des années 1790 sur les relations entre la France et les États-Unis? Donc c'est ce qu'on va essayer de voir dans les minutes qui viennent. En 1776, par la grâce de leur déclaration d'indépendance, les États-Unis, les 13 colonies, devenaient les États-Unis, et donc entrer dans le monde des nations souveraines, un processus évidemment achevé en 1783 avec la paix signée avec la Grande-Bretagne. À ce moment-là, la France et les États-Unis pouvaient célébrer leur victoire commune. Côté français, cette victoire était marquée
par la Minerve casquée, qui protégeait de sa lance un jeune enfant attaqué, menacé par un léopard britannique. Et vous voyez le bouclier orné de fleurs de lys. Ce jeune enfant représentait l'Amérique sous les traits d'un Hercule, Hercule enfant, assis dans ses langes et lui-même sur un bouclier, ce qui représente l'origine militaire de la nouvelle nation, étouffant dans ses mains deux serpents qui renvoient aux victoires de Saratoga de 1777 et de Yorktown de 1781. Au fond, les Français étaient persuadés alors qu'ils avaient apporté la liberté aux États-Unis. Alors, les États-Unis de 1783, eh bien, c'est évidemment une jeune nation sur le plan politique, mais encore une nation fragile. Ce qu'il faut bien voir, c'est que par rapport à aujourd'hui, les États-Unis n'occupent qu'une partie du territoire actuel des États-Unis. Il y a 13 colonies en 1783, il y en aura 18 en 1812. Il y a moins de 3 millions d'habitants en 1783, il y en aura 7,5 en 1815. C'est un pays qui est en plein développement, mais c'est un pays qui repose encore sur des bases fragiles. D'ailleurs, en 1787, donc 4 ans après l'indépendance, Alexander Hamilton, l'un des principaux hommes politiques américains, décrivait la situation de son pays. Son pays était, selon lui, je cite, « au dernier stade de l'humiliation nationale ». Le pays était endetté, incapable de repousser une agression, sans armée, sans trésor public, sans véritable gouvernement, manquant d'autorité sur son propre territoire et disposant d'ambassadeurs qui jouaient, je cite, « le spectacle d'une souveraineté mimée selon Hamilton ». À cette époque, 1787, c'est l'époque du débat sur la Constitution américaine, précisément. Quelques années après, ce même Hamilton comparait les États-Unis à un Hercule, on retrouve l'image d'Hercule, mais, précisait-il, un Hercule au berceau. Alors, d'un côté, il y a cette conscience chez les Américains d'être une jeune nation, une nation encore fragile, et de l'autre côté, il y a le regard français qui est posé sur les États-Unis de cette époque. Et en particulier, un regard qui est marqué par la conviction de la dégénérescence des Européens qui sont allés aux États-Unis. Alors c'est quelque chose qu'on trouve tout au long du XVIIIe siècle, l'idée que finalement les Européens qui iraient s'installer en Amérique en général, eh bien, connaîtraient une sorte de dégénérescence. Alors c'est quelque chose qui est assez connu à l'époque, et on voit les premiers représentants américains en France, Benjamin Franklin ou Thomas Jefferson, s'attacher à combattre cette réputation d'une Amérique anémiée. Et simplement pour citer une anecdote, c'est une anecdote que rapporte Jefferson un petit peu plus tard en 1818, rapporte l'anecdote suivante. Un jour, Franklin se trouvait un soir à Paris à dîner et pendant ce repas, il y avait des convives qui étaient à peu près la moitié américains et la moitié français. Parmi ces convives, il y avait l'abbé Raynal. Alors l'abbé Raynal est assez connu parce que on peut l'intégrer au grand ensemble des philosophes des Lumières. Il a écrit notamment une histoire des deux Indes et il fait partie de ces auteurs qui ont défendu l'idée d'une dégénérescence des Européens en Amérique. Alors voilà, la soirée se passe et puis tout d'un coup la conversation arrive sur la théorie justement de la dégénérescence des animaux, des hommes en Amérique. Franklin, qui avait observé la taille plutôt avantageuse de ses concitoyens par rapport aux Français, évidemment contesta cette idée de la dégénérescence et demanda, pour preuve, aux convives de se lever et de comparer leur taille. Évidemment, les Américains étaient plus grands. Dès lors, il fut facile pour Franklin de demander finalement qui avait dégénéré entre les Américains et les Européens. Raynal, lui-même de petite taille, rétorqua simplement que l'exception n'invalidait pas la règle générale. Alors, ce regard condescendant, on va le retrouver, il est extrêmement important. Il est au fondement, finalement, de la représentation, en quelque sorte, que les Français ont des États-Unis. Mais il y a un autre point, qui est plus politique et diplomatique. Pour ça, il faut rappeler les deux buts de guerre essentiels des Français quand ils ont participé à la guerre d'indépendance américaine. Premier objectif, affaiblir la Grande-Bretagne. Évidemment, en lui faisant perdre une partie de son empire. Et deuxième objectif, ouvrir un nouveau marché que l'on devine en expansion pour le commerce français. C'est pourquoi
le 6 février 1778, parallèlement à l'alliance franco-américaine, l'alliance militaire franco-américaine à proprement parler, il y a un autre traité qui est signé, un second traité qui est signé, qui est un traité d'amitié et de commerce entre la France et les États-Unis. Il est notamment prévu qu'en cas de guerre, alors non pas la guerre à laquelle les deux pays sont confrontés, mais la guerre, une guerre ultérieure, alors je précise que ces traités n'ont pas de terme. C'est pas un traité pour un certain nombre d'années, c'est un traité qui n'a pas de terme. Eh bien, il est prévu que, en cas de guerre, si l'un des deux pays reste neutre, eh bien, l'autre pourra transporter librement des marchandises ennemies. Et donc, en quelque sorte, la qualité de neutre d'un navire permettra de faire tout type de transport, à l'exception du matériel militaire. Autre point très important, il était prévu que, toujours en cas de guerre, eh bien, les corsaires d'un pays pourraient ramener leurs captures dans les ports de l'autre signataire. Ce qui était très important pour les Français, parce que dans l'hypothèse où les Français seraient en guerre contre la Grande-Bretagne, par exemple, eh bien, ils pourraient amener dans les ports américains des navires anglais qu'ils auraient saisis. Donc un certain nombre d'éléments extrêmement avantageux pour les Français. L'objectif également des Français, une fois la paix revenue, eh bien, c'était de développer le commerce aux États-Unis, donc ce marché en expansion. Et d'ailleurs, il y a tout un réseau consulaire français aux États-Unis qui va se développer. Alors, évidemment, c'est très compliqué pour les Français, puisqu'à l'époque, il n'y a pas de législation commerciale unique aux États-Unis, donc les conditions ne sont pas les mêmes dans les différents États. Donc, ce qui explique aussi que la nécessité d'avoir des consuls dans les différents États. Alors, le plan commercial qui promettait d'être aussi favorable aux Français, là, très vite, les Français vont déchanter. Les Français vont déchanter pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la contrebande très importante des Américains avec les Antilles françaises. Alors, vous savez que dans le monde colonial, il y a ce qu'on appelle en France la règle de l'exclusif, c'est-à-dire qu'une colonie ne peut faire du commerce qu'avec sa métropole. Bien. En réalité, tout au long du XVIIIe siècle, alors que les États-Unis n'étaient encore que 13 colonies anglaises, il y avait une contrebande extrêmement importante qui se faisait entre les États-Unis, entre l'Amérique du Nord, hein, anglaise à l'époque, et la France. Alors, pour quelle raison ? Bien, tout simplement parce que le commerce français ne satisfaisait pas la demande antillaise, et donc les colons des Antilles faisaient appel au commerce de contrebande, notamment le commerce américain. Alors, ce commerce, il reste effectivement très important après l'indépendance. Alors évidemment, la raison objective, elle est géographique. On a à peu près 2500 km entre Boston et Saint-Domingue, alors qu'il y a 6000 km minimum entre les Antilles et la France. Bien sûr, il y a donc une capacité de réaction, une capacité d'approvisionner les marchés et également un coût de transport qui est moindre entre les États-Unis et la France qu'entre les États-Unis et les Antilles. Entre les États-Unis et la France. Et on voit d'ailleurs le consul Letton, le consul à Boston, assurer que le commerce de Boston avec nos îles est, je cite, très considérable. Il y a deux fois plus de bâtiments de Boston dans nos îles que dans celles des autres puissances pour les deux marchandises qui étaient particulièrement recherchées, le sucre et le café. Alors en effet, hein, les colonies du Nord, de la Nouvelle-Angleterre et en particulier du Massachusetts, dominaient très largement les entrées américaines à Saint-Domingue, hein, puisqu'en gros un tiers, un 29% et des entrées américaines à Saint-Domingue venaient du Massachusetts. Et les colonies françaises, à l'inverse, occupaient une place très importante dans les exportations des États-Unis. C'était un marché très important pour les Américains. Par exemple, alors je vais vous donner une petite guirlande de chiffres, en 1790, 23% de la farine américaine vendue à l'étranger était destinée à Saint-Domingue, 63% du poisson séché, 73% du bétail, 77% de la viande de bœuf, 80% du poisson mariné. Donc il y avait des ventes très importantes, des exportations très importantes des Américains vers les Antilles, mais évidemment les colons devaient bien payer ces produits américains. Bien, avec quoi payaient-ils, soldaient-ils leurs achats ? Avec le sucre et le café, alors que théoriquement, ils n'avaient pas le droit de le faire puisqu'ils ne devaient le vendre qu'en France. Alors évidemment, vous voyez, le fait que les États-Unis profitent en quelque sorte du marché antillais était un motif d'insatisfaction pour les Français, notamment pour les négociants, et on doit le dire, notamment pour les négociants nantais qui se voyaient ainsi privés d'une partie de leur marché. Alors, en fait, le commerce américain, le commerce français avec les États-Unis n'avait été excédentaire que très peu de temps.
En réalité, très rapidement, vous voyez, dès la fin des années 1780, les importations américaines étaient à peu près 6 fois supérieures aux exportations françaises. Donc, très rapidement après la guerre, il y a un déséquilibre, si vous voulez, de la balance commerciale entre la France et les États-Unis. Pour deux raisons. La première raison, c'est que, c'est avancé notamment par un marchand bostonien, c'est que les produits français ne sont pas adaptés au marché américain, au goût américain. Ce marchand bostonien, qui s'appelle James Wan, écrit la chose suivante. Il pense que les négociants français, selon lui, envoient aux États-Unis, aux jeunes États-Unis, je cite, le rebut des manufactures et magasins de France. Et il ajoute que, selon lui, les négociants français semblent croire que tout ce qui était invendable ailleurs serait toujours trop bon pour l'Amérique. Donc vous voyez, on retrouve cette idée du regard condescendant de la France pour l'Amérique. Et puis, il y a une autre raison. Cette autre raison, eh bien, elle est liée au lien ancien avec la Grande-Bretagne. En effet, si les États-Unis, si en 1783, les États-Unis sont devenus indépendants et l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, a perdu une partie de son empire, en réalité, les liens commerciaux ne se sont pas distendu. Simplement, dans les années qui suivent l'indépendance, la Grande-Bretagne assure encore 90% des importations des États-Unis et elle était la destination de 75% des exportations américaines. Parce que les liens commerciaux, si vous voulez, ne s'étaient pas distendus malgré l'indépendance. Et c'est ce que donc le marchand bostonien dont je vous parlais un instant appelait la force de l'habitude. Et donc les Français n'arrivaient pas à pénétrer sur le marché américain. Alors bien sûr, du côté français, si on est les consuls, d'ailleurs les crises, si on est conscient des carences du négoce français aux États-Unis, il y a une autre raison que l'on voit poindre petit à petit dans les archives. Eh bien, au fond, c'est que, certes, il y a eu la guerre d'indépendance, certes, il y a eu le traité de paix, mais au fond, ces Américains semblent encore bien attachés à leur ancienne métropole, bien attachés à des Britanniques. Est-ce qu'ils sont vraiment complètement Américains ou est-ce que ce sont encore des sortes de Britanniques qui ne veulent pas dire leur nom? Et à partir de là, va naître cette idée récurrente de ce qu'on appelle l'ingratitude américaine. Alors, l'ingratitude américaine. L'ingratitude américaine, c'est vraiment un leitmotiv qu'on retrouve très fréquemment dans les années 1790. Et d'ailleurs, on a un certain nombre d'écrits français où on constate le déficit commercial dont je vous parlais il y a un instant. Et finalement, on se dit, ben voilà, nous avons fait la guerre, nous Français avons dépensé quelques centaines de millions de livres et, je cite un auteur, plusieurs générations d'hommes. C'est un peu excessif, on estime à 2700 Français le nombre de Français morts pendant la guerre d'indépendance. Et tout ça pour rien. Tout ça pour rien parce que les Américains, au fond, restent des Anglais, en quelque sorte. Et le consul français à Charleston résumait le sentiment général. Les Américains ne pensent qu'à gagner de l'argent, gagner à n'importe quel prix, c'est la devise de 9 dixièmes des Américains. Et cette accusation pour la cupidité, elle est intéressante parce que c'est une accusation qui est souvent adressée aux Anglais. Et Napoléon disait l'Angleterre une nation de boutiquiers. La cupidité des Américains leur a fait perdre, dit-on du côté français, le sens de l'honneur, le sens de la gratitude. Finalement, ce sont comme les Anglais, ils ne pensent qu'à gagner de l'argent, ce ne sont que des marchands, ils ne sont cupides, avaricieux et mesquins, ils ne cherchent que le profit, et même pour cela, ils doivent ruiner ceux qui les ont aidés à accéder à la liberté. Alors évidemment, ce type de jugement, au fond, repose sur un malentendu très profond et durable sur le sens de l'alliance franco-américaine. Parce que, d'un côté, les Français vont célébrer cette alliance, l'idée d'une sorte de générosité française qu'on voyait, les Français qui ont aidé les Américains à accéder à l'indépendance. Or, pour les Américains savent bien que les Français ne les ont aidés dans la guerre que parce qu'ils y avaient intérêt et parce qu'ils servaient, parce que la guerre servait à affaiblir la Grande-Bretagne et non pas, ça n'était pas un acte de générosité. Et pour les Américains, il est très important, certes, de se libérer de la tutelle anglaise, mais aussi d'éviter de retomber dans une forme de suggestion vis-à-vis de la France, de passer en quelque sorte d'une domination à une autre. Et en réalité, quand on regarde la situation des Français et des Américains dans ces années 1780, eh bien, ce sont des alliés, certes, mais au fond, culturellement et politiquement, ils n'ont pas grand-chose en,
en commun. Et l'on voit souvent ce type d'image, vous voyez, dès 1782, de la réconciliation entre Britannia, donc l'Angleterre, et l'Amérique. Alors l'Amérique et sa fille, vous voyez, sa fille, alors, l'Amérique est toujours représentée avec des plumes, hein, c'est comme ça qu'on représente l'Amérique. Et au fond, la paix permettra non pas une rupture, mais une sorte de réconciliation entre en quelque... Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve souvent, une sorte d'enfant devenu majeur qui, en quelque sorte, après une crise avec ses parents, se réconcilie avec la mère patrie. Donc voilà un petit peu le contexte en 1793. Alors pourquoi 1793 ? Parce que 1793, c'est le moment où la guerre éclate entre la France et la Grande-Bretagne dans le cadre des guerres révolutionnaires. Alors évidemment, les Américains sont confrontés à cette situation et ils vont déclarer la neutralité des États-Unis. Ils vont dire, voilà, on ne va pas prendre part à la guerre. Il y a plusieurs raisons. D'abord, ils n'ont absolument pas les moyens militaires de prendre part à la guerre. Ils n'y ont pas d'intérêt. Ils considèrent cela comme des querelles de l'ancien monde auxquelles eux, vertueux Amériques, doivent échapper. Et puis, ils ont calculé. Évidemment, ils sont neutres. S'il y a une neutralité entre la guerre et les États-Unis, s'il y a une guerre entre la Grande-Bretagne et la France, eh bien, il faudra bien que les belligérants utilisent des pavillons neutres pour faire le commerce, et notamment le commerce des Antilles. Et là, bien sûr, ils voient bien tout l'avantage qu'ils ont à tirer de cette situation. La guerre commence. Et là, il y a un problème. Il y a un problème sur la navigation neutre. Je vais tâcher de vous expliquer ça le plus clairement possible. Au fond, quand vous avez un navire neutre qui circule, qu'il transporte des marchandises appartenant à un des belligérants, il y a une question qui se pose. Est-ce que, parce que le navire est neutre, la marchandise est en quelque sorte neutralisée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la saisir, ou est-ce qu'il s'agit toujours d'un bien ennemi ? Autrement dit, est-ce que des marchandises françaises circulant sous pavillon américain peuvent être saisies par les Anglais parce qu'elles sont françaises ou considérées qu'elles sont en quelque sorte protégées par le pavillon du navire américain ? Question qui est fondamentale dans l'histoire de la neutralité. Sauf qu'à cette question, il y a deux réponses différentes. La réponse anglaise, oui, nous pouvons saisir les marchandises françaises où qu'elles se trouvent, sous pavillon français, bien sûr, et là on va saisir le navire, ou sous pavillon neutre. Suédois, danois, américain. On laisse le navire partir, mais tout ce qui appartient aux Français, on le prend. Version française, à partir du moment où un navire neutre transporte des marchandises en dehors du matériel de guerre, ces marchandises sont en quelque sorte neutralisées, et donc les bâtiments neutres peuvent circuler tranquillement. Vous voyez qu'on a deux interprétations qui sont contradictoires. Alors évidemment, avec la guerre qui s'engage, eh bien, le problème ne tarde pas à se poser. Les Anglais saisissent des navires américains avec des marchandises françaises. Donc oui, c'est un faux navire américain, en réalité c'est du commerce français. Hop, et on saisit tout cela. Du côté français, dans un premier temps, on arrête les navires américains, mais à partir du moment où ils ont des marchandises dites innocentes, par exemple des meubles ou autre type de produits comme ça, qui ne servent pas du tout à la guerre, eh bien, même s'ils appartiennent aux Anglais, on les laisse circuler. Alors, les Anglais vont très vite mettre une pression très forte sur le commerce américain, et les Américains vont avoir un certain nombre de navires, hein, plusieurs centaines de navires, qui vont être capturés par les Anglais. Ils n'ont pas de marine de guerre, les Américains, et ils doivent donc finalement céder à la force. En 1794, les États-Unis et l'Angleterre signent un traité, vous voyez, d'amitié, de commerce et de navigation. Et par ce traité, les Américains acceptent que les marchandises françaises qu'ils vont transporter soient saisies par les Anglais. Ce traité, signé à la fin de l'année 1794, petit à petit, évidemment, la nouvelle de ce traité va se diffuser. Et quand elle est confirmée à Paris, c'est la fureur. C'est la fureur. Pourquoi c'est la fureur ? Parce que d'un côté, les Français, en vertu du traité de 1778, disent aux Américains, vous pouvez transporter des marchandises anglaises, même si sur notre ennemi, on vous laisse les transporter puisque vous êtes neutre. En revanche, les Anglais ne l'acceptent pas. Et donc, il y a une sorte d'inégalité dans le traitement du transport des marchandises des belligérants par les Américains. Et là, évidemment, les Français sont furieux et on va avoir un changement total de la doctrine française. Les Français vont se dire, finalement, vous êtes neutre,
il y a la fameuse équidistance du neutre, l'égalité de traitement. Nous allons vous traiter désormais comme les Anglais vous traitent. Et dès lors, eh bien, les corsaires français vont se mettre à arrêter des navires américains, vont se mettre à saisir les marchandises anglaises qui sont sous pavillon américain. Des centaines de navires américains sont arraisonnés, sont amenés en France, sont saisis par les corsaires, dont un certain nombre à Nantes d'ailleurs. La crise monte, les tensions s'exacerbent, et là, le second président américain, qui s'appelle John Adams, alors il n'est pas très connu, hein, on connaît bien Washington, on connaît Jefferson, on ne connaît pas le deuxième président américain, John Adams, eh bien, John Adams va tenter d'améliorer les choses avec la France et va envoyer trois émissaires en France pour essayer de calmer les choses. Alors, nous sommes en septembre 1797, je vais être un petit peu plus précis sur les dates. Trois envoyés américains arrivent à Paris. Et là, ils doivent être reçus, ils doivent négocier avec le ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères, ben, il est très connu, c'est Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, surnommé, vous le savez sans doute, le diable boiteux. Alors, qui a servi, qui a prêté des serments de fidélité 5, 6, 7, 8 fois, puisqu'on le retrouve du début de la Révolution à la Restauration, il a servi tous les régimes. Bien. Alors, les trois émissaires américains arrivent, ils demandent rendez-vous à Talleyrand. Talleyrand les reçoit, leur donne des passes pour qu'ils puissent circuler. Il leur dit, bon, là, je peux pas vous recevoir tout de suite parce que je suis en train de terminer un rapport précisément sur les États-Unis pour le directoire, c'est l'époque du directoire. Je vous recevrai dans quelques jours quand j'aurai fini mon rapport. Très bien, donc les émissaires américains s'en vont et sont décidés à attendre quelques jours. Et puis, le lendemain de cette rencontre avec Talleyrand, arrivent deux individus et qui commencent à leur dire, voilà, pour être reçu par le ministre, il y a quelques petites demandes. Bon, très bien. Première demande, il faudrait que les États-Unis acceptent de faire un prêt à la France. Ah, problème. Alors, pourquoi problème? Parce que vous voyez bien, un pays neutre qui va prêter de l'argent à un belligérant, il sort un peu de la neutralité. Bon, premier problème. Puis, deuxième problème, petite demande, bah, ça serait bien de donner une petite somme d'argent. Ah, une petite somme d'argent. Donc voilà la dépêche. De quoi nous parle-t-on? Eh bien, vous le voyez, c'est ce que je vous ai mis en rouge en haut. Une somme d'argent donc, a été demandée, donc ça c'est le rapport, hein, c'est la lettre des envoyés américains, pour la poche, vous voyez, le pocket, la poche des directeurs, donc, c'est-à-dire les membres du directoire, et pour les ministres, et que cette somme soit à la disposition de Talleyrand. Et un peu plus bas, vous voyez, dans le carré du bas, on emploie le terme de douceur. Il faudrait donner une douceur. Alors, cette douceur, qu'est-ce que c'est? C'est de l'argent. Évidemment, grande douceur. Et vous voyez, un des personnages qui est nommé, vous voyez pourquoi je l'ai mis comme ça, Mr. Oettinger. Bien. Alors là, évidemment, stupeur des envoyés américains qui adressent la lettre que je vous présente ici, qui adresse cette lettre à leur gouvernement, qui se trouve alors à Philadelphie. La lettre est d'abord examinée par le Congrès, puis elle finit par se diffuser et apparaître dans la presse américaine. Et là, évidemment, colère de la presse américaine, le sentiment national est poussé à son paroxysme, on se mobilise pour servir contre la France, c'est absolument inacceptable, etc., etc. Très bien. Sauf que, évidemment, la colère américaine, Adam, c'est prudent. Parce qu'il y a encore en France ces envoyés américains qui ne sont pas rentrés. Donc il faut éviter de trop mettre en cause le gouvernement français. C'est la raison pour laquelle, regardez le Mr. Oettinger qui est ici, son nom n'est pas indiqué. Monsieur X. Et les autres personnages qui étaient venus demander une petite douceur, eh bien on les désigne par des lettres. X, Y et Z. D'où le nom de cette affaire, l'affaire X, Y, Z. Alors évidemment, l'affaire remonte à Talleyrand, et là, Talleyrand tombe des nues. Ah bon? Il y a des gens qui sont venus demander de l'argent en mon nom. Ah, je ne sais pas du tout, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Évidemment, c'est l'innocent. Il n'est informé de rien, il n'est au courant de rien, personne n'a jamais demandé ça en mon nom. C'est vraiment un procédé odieux, indigne d'un républicain. Alors on voit vraiment qu'il multiplie les dénégations, au point qu'il demande
à un des envoyés américains de lui dire, mais au fond, qui étaient ces personnages? Voilà la lettre. Guéry, donc, un des Américains, écrit à Talleyrand pour lui dire, voyez, monsieur X, c'était monsieur Oettinger, monsieur Y, c'était monsieur Bellamy, monsieur Z, c'était monsieur Hauteval. Ah bon? Grande surprise de Talleyrand. En réalité, évidemment, c'était les hommes de Talleyrand, et Talleyrand les avait envoyés demander de l'argent. Mais il fait l'innocent. Alors, évidemment, ça ouvre une nouvelle crise, en dehors des saisies de bâtiments, où la France est réputée, pour sa part, particulièrement cupide. Vous avez ici, alors évidemment, les Anglais s'en donnent à cœur joie, vous avez ici cette caricature anglaise, où vous avez cinq personnages qui représentent la France, donc les cinq directeurs, un personnage avec les plumes qui représente l'Amérique, et vous voyez les Français qui sont en train de dépouiller l'Amérique, vous voyez le sac, hein, ici, vous voyez les prérequis diplomatiques, donc donner de l'argent pour entrer en négociation. Alors, ça fait aussi écho à la France qui, à ce moment-là, en Europe, on est dans la période du directoire conquérant, on est à l'étranger, où les Français ont tendance, les armées françaises ont tendance effectivement à piller. Autre caricature, cette fois-ci une caricature américaine. Vous avez ici, vous voyez, à votre droite, les trois émissaires américains. Vous avez le directoire avec ses cinq têtes, donc les cinq directeurs. Il faut de l'argent, beaucoup d'argent, money, money, money. Et les Américains répondent, cesse d'hurler le montre, nous ne te donnerons pas six pence. Alors pourquoi cette réflexion? Parce que John Marshall, un des envoyés américains, quand les agents français lui ont dit, bah voilà, il faudrait un peu donner de l'argent, il avait dit, no, 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 not just six pence. C'est-à-dire, non, 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 on ne donnera pas six pence. Je vous invite quand même à regarder un peu cette image d'un peu plus près, parce qu'il y a effectivement la scène principale en couleur, et puis il y a tout ce qu'il y a à votre droite. Ça dit beaucoup de choses sur la manière dont les Américains voyaient la France de cette époque. Bien, vous voyez, en haut, on a une guillotine. Donc évidemment, ici, c'est une allusion à la terreur. Car si les Américains ont été plutôt favorables à la Révolution française dans ses premiers temps, ils ont été horrifiés par la terreur. N'oubliez pas que Lafayette doit partir en exil. Lafayette, c'est le héros de l'indépendance américaine. Et vous avez ici une république qui est présentée sous des traits fort peu aimables, qui symbolise donc cette république, finalement, barbare, qui élimine les siens. Et puis, un petit peu plus bas, en contrebas, vous avez un banquet civique, en tout cas c'est ce qui est marqué, où les Français mangent des grenouilles, tiens, tiens, les froggies, hein, les mangeurs de cuisses de grenouilles. Et parmi tous ces personnages, il y en a un auquel il faut consacrer un petit peu d'attention, c'est celui qui est complètement à droite, qui est un homme noir, avec une cocarde. Eh bien, c'est une allusion à l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises en 1793, abolition de l'esclavage qui fait très peur aux Américains, notamment dans les États du Sud, où il y a des esclaves. Il y a une peur à ce moment-là que l'exemple français d'émancipation des esclaves traverse en quelque sorte les centaines de kilomètres qu'il y a jusqu'aux colonies du Sud, et que les esclaves aux États-Unis, les esclaves noirs aux États-Unis, revendiquent également la fin de l'esclavage. Donc, vous voyez, une sorte d'influence un peu perverse de la France. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à la suite de cette affaire XYZ, il y a une rupture des relations entre la France et les États-Unis, et les Américains savent qu'ils vont devoir, au minimum, défendre leur commerce face aux corsaires français. C'est dans ce cadre-là que va être créé, le 30 avril 1798, le département de la marine des États-Unis. Et donc, vous voyez que l'US Navy, qui est aujourd'hui une des forces de la puissance américaine dans le monde, et ça d'ailleurs aujourd'hui et au XXe siècle et au XIXe siècle, eh bien, son origine se trouve dans les tensions avec la France. Et vous avez ici le premier secrétaire d'État de la marine, donc Benjamin Stoddard. On va construire, donc les Américains vont construire des navires de guerre. Parmi ceux-ci, il y en a un que je vous montre, c'est l'USS Constitution, qui est un des premiers navires de guerre américains que l'on peut toujours visiter aujourd'hui, hein, qui est amarré dans le port de Boston. Alors, cette affaire XYZ, elle est très connue aux États-Unis, puisqu'on la trouve parfois dans les manuels scolaires niveau à peu près terminal des Américains. C'est vraiment quelque chose qui est très connu. Alors, pourquoi c'est très connu? Parce que, d'un côté, il y a une sorte de mise en scène, si vous voulez, de l'Europe cupide et corrompue, qui demande de l'argent, et de l'autre côté, la vertu américaine. Vous voyez, nous sommes une nation libre et souveraine, nous venons négocier, il n'y a pas de conditions. En réalité, cette affaire XYZ, elle a été très largement mise en scène et utilisée
par les contemporains, je vais vous montrer, mais aussi et souvent a été reprise comme telle par les historiens américains qui, me semble-t-il, manquent parfois un petit peu d'esprit critique par rapport à cette affaire-là. J'ai mis l'hypothèse qu'en fait, c'était une instrumentalisation américaine. Pourquoi ? Parce que les trois diplomates américains qui venaient en France, quand on regarde leurs instructions, qu'est-ce qu'ils devaient obtenir ? Ils devaient obtenir un changement de législation française et un dédommagement pour les navires américains qui avaient été saisis. C'est-à-dire qu'ils rentraient dans une négociation diplomatique en ne faisant que demander et en n'offrant rien. Ce qui évidemment est impossible dans une négociation diplomatique, qui plus est avec un pays plus puissant. C'est évidemment, ça n'avait aucune chance de fonctionner. Premièrement. Deuxième élément, les diplomates américains qui étaient en Europe depuis les années 1780 connaissaient très bien les modalités de fonctionnement de la diplomatie européenne. On savait très bien qu'il fallait payer. On a un diplomate prussien qui le dit, et on savait très bien, dans l'Europe de cette époque-là, que pour négocier en France, il fallait payer. Alors la question, c'est pourquoi cette affaire, puisque les Américains avaient été informés des difficultés qui les attendaient. Et d'ailleurs, même Adams était très pessimiste sur la réussite de cette mission. Eh bien, en fait, l'hypothèse que j'ai mise, c'est qu'en fait, c'est une sorte de manipulation de John Adams qui s'est servi de cette affaire XYZ, qu'il a un petit peu fait monter en diffusant les lettres où on demandait de l'argent dans la presse américaine, pour deux raisons. Première raison, c'est pour exacerber le nationalisme américain. Évidemment, pour toute nation, une nation qui se sent insultée par une autre nation, eh bien, ça va avoir pour effet de resserrer les liens, et notamment de resserrer les liens autour de qui ? Eh bien, autour de son souverain, autour de son gouvernement ou autour de son président. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, eh bien, cette affaire XYZ rend nécessaire la fondation d'une marine de guerre pour protéger le commerce américain face aux corsaires français. Désormais, nous allons nous défendre par la force. Sauf qu'une marine de guerre, coûte extrêmement cher. Elle ne peut être faite aux États-Unis qu'au niveau fédéral et non pas au niveau de chacun des États. Et là, on touche du point à un problème qui est fondamental et qu'on voit encore de nos jours dans l'histoire américaine. C'est les relations entre les États et l'État fédéral. On le voit encore aujourd'hui avec le gouverneur du Texas qui veut construire un mur sur la frontière mexicaine alors que le gouvernement fédéral s'y oppose. Finalement, qui décide ? Est-ce que c'est moi, État ? Ou est-ce que c'est l'État fédéral ? Vous voyez, toujours ce problème de la répartition de l'autorité entre les États et l'État. Or, ici, évidemment, une marine de guerre, ça coûte tellement cher qu'elle ne peut être que fédérale. Or, une marine fédérale veut dire octroyer du pouvoir du gouvernement fédéral sur les États et également un rapport d'ordre financier, puisqu'il faudra bien payer pour cette marine fédérale. Donc, je pense qu'en réalité, cette affaire XYZ a été instrumentalisée par Adams à des fins de politique intérieure et également pour écarter ses rivaux qui étaient plutôt favorables à la France. Alors en fait, que ce soit pour une raison ou pour une autre, eh bien les affrontements ont lieu sur mer. À partir de 1798, on a un certain nombre de combats qui opposent Français et Américains. Vous avez ici, par exemple, une représentation qui est assez connue. Alors attention, elle date, c'est une des seules images, on l'utilise très souvent, elle date de 1980. C'est pas du tout une image d'époque, mais on voit ce combat entre l'USS Constellation et l'insurgente, navire français. Les combats ont lieu où, principalement ? Bien, vous voyez, principalement aux Antilles. Principalement aux Antilles, pourquoi ? Parce que les Antilles, comme je le disais tout à l'heure, étaient très fréquentées par le commerce américain, étaient également un lieu très important pour la course maritime, c'est-à-dire pour les corsaires, et notamment pour les corsaires de la Guadeloupe. Il y a eu toute une économie corsaire, puisque la Guadeloupe était isolée, en quelque sorte, de la France, à cause de la guerre, et donc les corsaires guadeloupéens sillonnaient la mer des Antilles et s'emparaient des bâtiments neutres qu'ils trouvaient, et notamment des bâtiments américains. Alors, bien sûr, que des navires de guerre américains s'emparent de corsaires français, très bien. Mais alors, pour les Américains, le summum a été en quelque sorte le jour où des navires de guerre américains se sont emparés de frégates, c'est-à-dire de navires de guerre
français. Et là, il y a eu, encore une fois, une grande fierté pour les États-Unis. Et il faut bien penser une chose, c'est que les États-Unis sont une jeune nation. Et comme toutes les jeunes nations, comme toutes les nations ont besoin de tenir un discours sur leur identité. La fierté nationale, c'est aussi quelque chose qui se construit. Alors bien sûr, pour des anciennes nations comme la France, c'est des choses qui existaient déjà. Mais pour les Américains, pour la jeune nation américaine, s'imposer face à une grande puissance, s'imposer face à la France, évidemment, il y avait une dimension évidemment de fierté, mais aussi une dimension, je leur dirai un mot tout à l'heure, un peu d'émancipation par rapport à tout ce discours condescendant que j'évoquais tout à l'heure, notamment le discours sur l'ingratitude. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Cet épisode des relations franco-américaines est connu sous le nom de quasi-guerre. Parfois, on parle de la guerre non déclarée. Parfois, et je vous montrerai tout à l'heure, de la guerre naval contre la France. Mais le terme qui s'impose, c'est le terme de quasi-guerre. Ce terme de quasi-guerre, on le retrouve dès 1811, donc dès les contemporains. Et quand on regarde les archives, on voit bien que les contemporains ont le sentiment de vivre un moment avec une relation un peu particulière entre la France et les États-Unis. Alors pourquoi quasi-guerre ? La quasi-guerre est-elle une guerre ? Parce que la guerre n'a jamais été officiellement déclarée. La guerre n'a jamais été officiellement déclarée entre les États-Unis et la France. Et pourtant, il y a des combats. Il y a des morts, il y a des prisonniers. Si on fait une sorte de pesée globale, on peut estimer à plus d'un millier le nombre de navires américains saisis par les Français. À l'inverse, peut-être une centaine de navires français, y compris des corsaires, ont été pris par les Américains. Donc on voit bien qu'il y a un déséquilibre ici qui est extrêmement important. Ce déséquilibre, il est lié au fait que pendant une grande partie de cette période de tension, bah, les Américains n'avaient pas de navires de guerre, n'avaient pas de flotte de guerre. Alors finalement, Français et Américains vont entamer un dialogue et signer la paix. C'est la signature de la convention de Mortefontaine. Et cette convention, là c'est Bonaparte, alors c'est lié en particulier l'accession au pouvoir, au coup d'état de Brumaire, de Bonaparte, qui lui souhaite, parce que la stratégie de Bonaparte, c'est de réunir les neutres du côté de la France pour dénoncer l'hégémonie maritime anglaise. Et donc il dit bien que c'est pas un traité, c'est une convention. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est quand on lit le premier article de cette convention de Mortefontaine, on parle de rétablissement de la paix. Il n'y a pas eu de guerre, mais on veut quand même rétablir la paix. Il y a un certain nombre de points en discussion que je vous épargne, mais il y a notamment deux points qui posent problème. Premier point, les dédommagements pour les navires saisis. Et on voit bien que là, c'est souvent les Américains qui demandent. Voilà, vous nous avez saisi un certain nombre de bâtiments, on a eu des pertes, il faudrait nous dédommager. Bon, très bien, sauf que, évidemment, du côté français, on considère que ces navires ont été capturés de bon droit parce que les Américains montraient une certaine partialité vis-à-vis de l'Angleterre. Donc là, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Premier point. Deuxième point, les traités de 1778 que j'évoquais tout à l'heure, les Américains ont décidé à un moment, en 1798, ont décidé que ces traités étaient en quelque sorte annulés. Sauf qu'évidemment, deux nations, une des deux ne peut pas comme ça de son propre chef dire « bon, maintenant ce traité, je ne l'applique plus ». Donc les Américains voulaient faire reconnaître aux Français que les traités étaient désormais caducs, et les Français, au contraire, disaient « ben non, il n'y a aucune raison, nous n'avons techniquement jamais été en guerre, il n'y a pas de raison de suspendre notre traité ». Donc là, on a deux points sur lesquels, pendant des semaines, on n'arrive pas à s'entendre. Alors comment fait-on en diplomatie quand on a un nœud pour s'en sortir ? Au lieu de dénouer le nœud, eh bien, on dit « ben écoutez, ces questions-là, on va nommer une commission plus tard ». Et ils régleront le problème. Et effectivement, une fois qu'on enlève les difficultés, il ne reste plus que les points d'accord, et à ce moment-là, on peut signer la paix. Et c'est comme ça que la réconciliation va se faire entre la France et les États-Unis, et donc les deux points en question vont en quelque sorte passer par pertes et profits. Alors, la réception qui est donnée, vous voyez, on donne une fête très brillante pour célébrer le retour de la restauration de cette amitié franco-américaine. On a trois salles qui sont
décoré aux couleurs de l'amitié franco-américaine. Vous voyez, on célèbre la liberté sur les mers. Vous voyez, hein, sur la médaille à droite, vous avez Neptune, donc le dieu de la mer, qui réunit d'un côté, vous voyez, la France d'un côté, et de l'autre côté, l'Amérique. Vous observez que l'Amérique est toujours représentée avec des plumes. Ça, c'est quelque chose qui ne change pas. Est-on vraiment réconcilié entre la France et les États-Unis? Oui, dans une certaine mesure. Et puis derrière, très rapidement, en 1803, il y aura la vente de la Louisiane aux États-Unis. Alors, finalement, en conclusion de ce survol des relations franco-américaines à la fin du XVIIIe siècle, d'abord, premier point sur lequel je ne reviens pas, mais que j'évoque simplement, c'est que ça a été une quasi-guerre et non pas une guerre. Par exemple, tous les navires américains qui ont été saisis, en tout cas la grande majorité d'entre eux, tous ces navires ont été jugés et condamnés comme de bonne prise, alors qu'un navire ennemi est par nature saisi, puisqu'il est ennemi. Donc, sur le plan juridique, ici, il y a une petite nuance. Deuxième élément, à mon avis, qui me semble important, c'est finalement l'honneur des États-Unis. Au fond, très rapidement, la guerre contre le conflit, c'est pour ça que je parle de conflit et pas de guerre, hein, le conflit entre la France et les États-Unis, pour les Américains, était vu comme une sorte de croisade pour la liberté du commerce face à la France qui était oppressive, en quelque sorte. C'est aussi, pour les Américains, on revient sur une idée qu'on a vue au début, une sorte d'épreuve d'émancipation que d'affronter une grande puissance. Et d'ailleurs, dans la correspondance française des diplomates ou des consuls français aux États-Unis, on voit très souvent la métaphore de la jeunesse, la métaphore de l'enfance, vous savez, Hercule au berceau, dont on parlait tout à l'heure pour les États-Unis. Ça repose sur l'idée que il y a le vieux monde d'un côté, le monde qui sera adulte, et de l'autre côté, le nouveau monde, encore un peu jeune. Un envoyé français aux États-Unis dit en 1795 que dans des tas de domaines, les Américains sont, je cite, « en état d'enfance ». On voit un autre diplomate français qui évoque le secrétaire d'État, donc en gros le ministre des Affaires étrangères américain, et il dit de ce secrétaire d'État américain, je cite, qu'il ressemble à un écolier qui affecte du courage quand il croit ne plus rien n'avoir à craindre du courroux de ses maîtres et se permet alors d'en parler sans discrétion et sans mesure. En quelque sorte, les Américains fanfaronnent tant qu'ils n'ont pas peur de la France. Mais à partir du moment où, dit-on, la marine française prendra la mer, eh bien, les Américains feront profil bas et accepteront ce que les Français leur auront imposé. Et puis, il y a aussi, pour les Américains, la sensation d'un certain dédain. Alors, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, bien sûr, la manière dont les trois diplomates ont été traités. Et puis, on rapporte à Philadelphie une déclaration. Une déclaration de Talleyrand. Talleyrand aurait dit, je cite, « L'Amérique n'est pas de grandes conséquences et ne doit pas être traitée avec plus de respect que Genève ou Gênes. » Alors évidemment, la comparaison avec Genève et Gênes n'est pas très flatteuse pour les Américains, et il y a le sentiment entretenu par ce discours sur l'ingratitude d'une sorte de dette morale. Les Américains avaient, à la fin de la guerre, une dette financière vis-à-vis de la France, d'accord? Sauf qu'une dette financière, on peut la rembourser, une fois qu'on a remboursé sa dette, terminée. Mais une dette morale, à partir de quand est-on quitte avec une dette morale? Voilà la question qui se pose. En permanence, les Français rappellent aux Américains qui les ont, je cite, « enfantés à la liberté ». Les Américains le ressentent vivement et finalement, ils en ont assez d'être traités comme des alliés dépendants et éternellement redevables envers la France. Aussi, je pense que cette quasi-guerre, elle est, au-delà simplement de la question des navires qui sont saisis, elle s'inscrit dans une quête de reconnaissance des Américains, dans une quête d'honneur, de gagner l'honneur et de gagner la respectabilité et la considération des puissances européennes. Et c'est pour ça qu'il faut voir cette quasi-guerre dans la continuité de la guerre d'indépendance. Et ça permet de poser une question. Est-ce qu'il suffit qu'une nation signe un traité de paix pour devenir, juridiquement certes,
Mais au-delà de ça, dans la considération, dans le regard qui est porté sur elle, finalement, une nation aussi digne de respect qu'une nation ancienne. En fait, le respect se gagne. Il faut bien penser que les hommes politiques français de cette époque-là, pour eux, quand ils ont commencé à regarder l'Amérique, qui étaient les Américains? C'était juste des colons, c'était juste des Anglais qui étaient dans une Amérique dont je vous disais tout à l'heure qu'on la considérait parfois comme un ennemi. Et voilà maintenant que ces Américains veulent prétendre nous tenir tête. Au fond, il y a ça derrière ce conflit entre la France et les États-Unis. C'est un moment, effectivement, un épisode qui est très peu connu en France. Pourquoi ? Parce qu'en France, eh bien, l'historiographie s'est davantage concentrée sur Bonaparte. C'est l'époque de la campagne d'Égypte. Bonaparte qui fait son coup d'État, donc l'épisode napoléonien. On a très peu regardé ce qui se passe aux États-Unis. Mais aux États-Unis, c'est un épisode important, je vous l'ai dit, on l'enseigne aux élèves dans les lycées. Et puis, si un jour, vous allez vous promener à Washington, eh bien, allez faire un petit saut, on y va en métro très rapidement, au cimetière d'Arlington. Le cimetière d'Arlington, on le voit souvent dans les séries américaines, vous savez, c'est le grand cimetière militaire qui est juste au-dessus, en quelque sorte. Puis on est en Virginie, hein, on est au-dessus, on voit Washington de ce cimetière. Et au nord de ce cimetière d'Arlington, il y a un monument qui est construit, un monument... C'est le monument en l'honneur de l'infanterie de marine, les fameux Marines américains. Donc vous voyez une statue qui reprend hein, la fameuse photo de 1945. Et voyez sur le piédestal, il y a le nom de toutes les guerres auxquelles les US Marines ont participé. Et quelle ne fut pas ma surprise la première fois que j'ai vu ce bâtiment de voir ceci. La French Naval War de 1798-1801. Et c'est là, effectivement, qu'on peut réaliser l'importance de cet événement pour les États-Unis, et événement majeur, aussi bien sur le plan de la politique extérieure que sur le plan de la politique intérieure. Je vous remercie de votre attention.